Cette route, je la connais bien. J'arrive au château de la Hunaudée. Bonne nouvelle, le seigneur des lieux est revenu dans son territoire. Toujours aussi habile, une image au ralenti, la flèche bleue qui va passer. Attention, la voilà, c'était le Martin Pêcheur. Ça, c'est du poisson frais. Un ragondin passe. L'orage arrive, la pluie commence à tomber. Pas moyen de pêcher. Ça, c'est de la pluie qui mouille. L'orage tonne. Bon, ben je serai mieux à l'abri dans la voiture. L'orage est passé et le seigneur reprend sa position pour chasser. Il peut rester des heures sans bouger, mais attention, il est sur ses gardes et prêt à attraper le moindre poisson qui passe.
J'ai dérangé ce canard Colbert. Je n'ai jamais vu autant le niveau d'eau si bas. Et on dit qu'il pleut souvent en Bretagne. Ici, on remarque bien le manque d'eau. Cette jeune poule d'eau s'est bien habituée et elle profite de fouiller entre les racines. Retrouvons le héron cendré. Chut, silence, il chasse. Attention, il se baisse doucement et hop! Raté! Ça fonctionne pas toujours. Tiens, son voisin a grand faim. Un petit déjeuner, ça fait du bien. Le ragondin, c'est un rongeur herbivore. Son régime est normalement constitué de céréales, de racines d'herbes, de glands ou autres. Comme c'est le matin, un peu de toilettage entre deux poissons.
La migration est en route. Les étourneaux sansonnés se regroupent. Ils ne bougent pas d'une plume. Je déplace un peu une patte. Doucement. Tout doucement. Il n'est même pas perturbé par la poule d'eau. Il ne faut pas bouger, tranquille, et attendre que le poisson passe à sa portée. Doucement. Toujours rien. Zut, raté.
Je reprends la position. Pas bouger et laisser les poissons venir. Attention, fausse alerte. Trop loin. Et hop, encore raté. Eh oui, je viens aussi d'arriver et je suis la griffe musicienne. Après la pluie, le beau temps. Je retrouve le Seigneur qui chasse toujours. Ah, j'en vois. Silence. Et en plus, un beau. Tout doucement. Doucement. Et hop, en voilà un. Un petit.
encore un autre droit devant. Je ne le quitte pas des yeux. Tout doucement. De ce côté, un bruit. Rien ici. Un peu de toilettage. Il reprend du service. Attention, je me calme.
attention, et plouf, raté. Je retourne à l'eau. Et hop, c'est bon. Il faut toujours l'avaler tête avant. Un peu d'eau pour faire descendre le poisson. Nous quittons ce lieu magique. Mais promis, je reviendrai.